Jeudi soir, chez Marilyn, on ne se fie plus aux apparences. Je vais avoir un enfant, il n'y a pas de miracle là-dedans. C'est peut-être l'enfant de quelqu'un d'autre. Alors qu'à Avonlea, un nouveau venu prend tout le monde par surprise. Il n'est pas tombé du ciel que je sache. Nous devons en parler, Henri. Enfin, à Metropolis, Michel Rivard présente son plus récent album et André-Philippe Gagnon retrouve J.C. Lauzon pour célébrer la dernière édition de la saison, jeudi soir. L'édition magazine, du lundi au vendredi, à midi. Cette émission vous est présentée par l'interurbain Bell. Allô? Sont si pittoresques. En tout cas, Michel, je peux te dire une chose, là. On est bien fiers de toi. Qu'est-ce qu'elle dit? Hein? Qu'est-ce qu'elle dit? Je pige pas, là. Ben j'ai dit aux gens que t'étais resté simple malgré ton grand succès en France. Oui. Ça, j'ai dit. Ouais. C'est petite. Non, rien me suffit, je sais pas, moi. Doigt de champagne, peu de caviar. Est strict nécessaire, quoi. On a beau être une star adulée du public, on reste profondément humain. Mais faut quand même pas charrier. Qu'est-ce que c'est que cette bouteille de merde que j'ai trouvée dans ma loge? Mais... champagne? Pourtant, on l'a payé bien cher. Pinard qui goûte la vinasse, ouais! J'étais relax, moi, paname! Et je me retrouve dans ce bordel de merde! Pour moi, il a dû prendre des cours de belle manière à l'école de Serge Gainsbourg. Ils sont parés des chiottes! Bon, qu'est-ce qu'elles ont, nos étoilettes? Elles sont propres, c'est dégueulasse! Michel, vraiment, je pense que tu es sur le gros nerf à soir. Je te reconnais pas pantoute. C'est vrai que ça fait une bonne excuse qu'on t'a pas vu dans le bout. Non, mais qu'est-ce qu'elle dit, là? Y a quelqu'un qui cause français ici, là? Mais... Je vends mon sponsor, mes managers. Après tout, je suis un stand-up comique de top niveau, moi! Eh bien, nous aussi, on n'est pas des deux de picre, là!
Mariol, tu vois? Hein? Il ferme l'Olympia, franchement, il n'y a rien là. Ah. Non, non, écoute, voilà. Dominique, c'était juste pour rire, c'était pas... Eh bien, je n'y rigole pas, tu vois, j'en ai marre de tes histoires à la con, tiens. Non, mais c'était juste pour te faire marcher. Eh bien, je ne marche pas. Je ne marche pas, vois-tu? Moi aussi, je vais avoir une limo avec la clim, là. Comme toi, avec du champagne plein ma loge et des fleurs et des orchidées partout, j'en ai marre. Chanson avec ça, peut-être? Ah non, je ne rigole pas, hein? Je veux voir mon manager, vous m'apportez mon manager. Et je veux changer les éclairages, les décors. Et je veux voir le directeur, là, Gilbert Rozon, là. Le directeur de ce festival de merde avec cette conne de Dominique Michel. Je rentre en France. Voici maintenant le bulletin d'information. Tous les sous. Voici les manchettes du soir. Sur la scène canadienne, Jean Chrétien est de retour. Il a déclaré que le Canada anglais et plus spécifiquement Terre-Neuve peuvent se passer du Québec pour transformer le Canada. Jacques Parizeau a conseillé à Jean Chrétien d'aller réfléchir et de manger un char de nourriture. International, les communistes découvrent la démocratie. Les cerveaux croates et les yougoslaves slaves. Plus près de nous, les noirs sont victimes de racisme. Surtout de la part des policiers. La communauté est en effervescence. Oups. Car tous les hommes sont égaux, qu'ils soient blancs ou noirs. C'est une blague de mauvais goût. Guerre. Gorge Bush a traité sa dame Hussein de Toton. Parce qu'il a déversé du gaz dans le golf. Les Américains ont eu la chienne que ça pète aux couettes. En terminant, les prévisions de la météo. Beau et chaud. Belles oreilles, mesdames et messieurs. Une comique. Bon, alors, pour le bonheur de l'homme, il y a deux solutions. Ou on multiplie les humoristes, ou on supprime les dentistes. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Ok, je m'appelle Gaétan, un rap psychologique. Au revoir. Moi, je pense pas en termes de rôle, mais je dirais, plus le rôle est complexe, naturellement, plus c'est intéressant. Quand j'ai bâti ma maison, il n'y a pas d'argent. Ben, 2 000 $. Où tu veux que j'aille? Ben, je suis fantasme, je suis l'expression. Ben, il y a une chose, je pense, qui est fondamentale. Il faut que tu sois honnête avec tes gens, que tu sois direct, parce que la confiance, ça se compte.
des gens de projet, des gens d'action. Banque Nationale, notre Banque Nationale. Et voici Xaviera et Natacha. Natacha et moi, qui nous présentent le nouveau look Pepsi et Diet Pepsi. Et monsieur Rambourg et Bédouarisme. En tout cas, quand on peut voir la canette se porte à la taille ou à l'épaule, dépendant de la hauteur qu'on la tient, et le goût, lui, toujours le même, il se porte encore à la bouche, et d'ailleurs, me laisse toujours aussi bouche poupée. Pepsi et Diet Pepsi, le goût n'a jamais eu tant d'allure. Bravo, mes canettes, je veux dire mes coquettes. Alors, avec votre coquette, je veux dire canette, coquerette, cassette. Safari de GMC, en plein contrôle. Salut Antoine! Oh, ça va? Non, mon père avait promis de m'amener au hockey. Pis? Ça marche plus. Je vais gueuler avec toi, moi. Aïe, aïe! Marie, c'est qui le premier marqueur de 50 buts à la Ligue nationale? Ça sent le brûlé dans la cuisine, hein? Bouge pas! Allô, papa? L'interurbain, c'est rapide et facile. Et pas besoin d'une grande excuse. Ton marqueur, là, je pense que c'est Maurice Richard. Puis c'était quoi son numéro? Son numéro? Son numéro. Toi, je t'ai déjà vu dans le Vieux-Montréal. En ski, à Beaumont. Carnaval de Québec. T'as déjà pris de la batte d'ail, toi? Ça m'est déjà arrivé. C'est là que je t'ai vu, tu savais. La batte drive. Toi, je te trouve à mon goût. Un vieux routier du festival qu'on retrouve avec plaisir, Roland McDan! Ah, monsieur le dentiste, c'est là à droite, là. J'ai mal à droite, là. Et la première chose qu'il fait, il regarde toutes les dents de la gauche. Non, j'ai rien à gauche, j'ai rien du tout. C'est pas la peine de regarder. Et cinq minutes après être rentré chez lui, t'as mal à droite et à gauche. Et là arrive la piqûre. La piqûre. Chez le docteur, c'est très simple. Chez le dentiste, c'est différent. Et là, en règle générale, t'as la tête qui suit les mouvements de la seringue. Quand il a fini, t'es carrément allongé dans le fauteuil. Tenez-vous bien. Et là, il s'en va. Tu sens ta lèvre qui commence à pousser sur l'avant. Et là, il revient et il te met le crochet du capitaine Fracasse. Et là, comme tu es très à l'aise pour parler, il commence à te poser des questions. Alors, vous allez où en vacances cet été? À Chavala. Où ça? À Chavala. Ah, laissez tomber. Ouvrez la bouche. Ouvrez la bouche. Là. Alors, tout doucement, hein. Tout doucement. Et là, t'as les fesses qui décollent de 20 cm du fauteuil. Il semblerait que le nerf de la dent soit directement relié au muscle fessier. Là, t'as la fumée qui commence à sortir de la bouche. Et là, il repose la roulette. Et il t'envoie de l'air froid, sous pression, juste sur le nerf. Enfoiré! Laissez tomber. Et là, t'as la main gauche qui s'enfonce dans le fauteuil. Et la main droite qui essaye désespérément d'attraper les testicules du dentiste. Ah,
Et à un moment donné, t'arrives à les attraper. Stop! Et là, la roulette s'arrête. Ah, ça vous gêne pas que je joue avec vos testicules? Non, non, si ça peut vous détendre. Ah, ça me détend bien, oui, 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 oui. Et là, tu tires dessus. La roulette dérape sur la gencive. Et là, ils te disent tous la même chose. Rincer. Cracher. Et là, tu te penches sur la cuvette. T'es même plus foutu de cracher. T'es juste bon à ouvrir la bouche. Et là, c'est le liquide qui commence à couler, là, voilà. Il va directement dans le col de la chemise. Et là, tu te retrouves avec un filet de bave d'environ 25 cm qui te relie directement à la cuvette. Il n'y a qu'une solution, il faut que je me jette en arrière dans le fauteuil. Tu te jettes en arrière dans le fauteuil avec un filet de bave d'environ 2,50 m qui te relie toujours à la cuvette. Super! Roland Martin, mesdames, messieurs. Il fait maintenant carrière au coin de Saint-Laurent et Sainte-Catherine. Yeah. G.C. Lonzon! OK, on fait de la musique! Alors voici une balade sentimentale pour toutes les Gaétanes du monde entier qui s'intitule « Je m'appelle Gaétane ». Bébé dans le sable, les pieds dans l'eau. Ne laisse pas passer la chance de m'aimer. Mais fais attention, je pourrais rester pour de bon. Oh les mains, oh les mains, oh les mains. Gaétan things you do. Make me sad about you. C'est zéro, 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 zéro. C'est zéro, hein? Moi, si j'en ai dedans, t'as même là-dessus, là. Ça serait zéro, hein? C'est un mélange assez heavy metal, mettons. Heavy metal? Heavy metal? Ouais, non. Mais écoute, là, c'est génial, heavy metal. On se parle un band heavy metal. On fait les mêmes tunes, la même tune, mais en heavy metal. On parle en heavy metal, on va appeler ça AC/DC. Ouais. Hein? Faudrait peut-être que tu changes le style de guitare, par exemple. Ah, j'ai des pics de heavy metal. Moi, il y a quelqu'un qui peut m'apporter mes pics de heavy metal? OK. Ah ouais. Merci beaucoup. Hey, allez, les pics, moi, mon vieux, tu vois, il faut être heavy metal, ça sera pas long, moi, tu vois. Ah, c'est heavy metal à ton goût, de là? C'est bon, ça. OK, hey, mais go, y vas-tu en heavy metal? Oui, OK. OK. Bébé dans le sable, les pieds dans l'eau. La laisse pas passer. La tente de la bébé. Fais attention, je pourrais rester pour de bon. Yeah.
que j'ai ici, là, je serais d'avis qu'on rappe tout ça, là, puis on va se reprendre l'année prochaine, OK? Qu'on rappe, c'est ça, mes gars, qu'on rappe! On fait mon poème écologique que j'ai fait là, l'autre jour que je t'ai présenté, tu voulais pas faire, là. Ah, ouais, c'est le poème écologique, puis on prend les paroles de ces chansons-là, puis on les change un peu. Hein. Ah, ouais, on pourrait recycler des vieux textes, tu sais. Ouais. faudrait que tu danses, par exemple, hein, les rappers, ça danse tout, ça. Ah, pas de problème, je vais danser. Moi, écoute, j'ai plus des cours de break. Ah, des cours de break, oui, tiens. Ouais, mais parlant de break, JC, on y va-tu? On devrait y aller. OK, alors, ça veut dire que ça va être un rap écologique, hein? Ça va être un rap écologique. OK, on va danser, genre. Amène-moi des petits bonhommes verts pour danser avec moi. Hein, les petits bonhommes verts. C'est écologique, ça? Les petits bonhommes verts. Je vous l'applaudis. OK, je m'appelle Nathan. Un rap écologique. Au revoir. J'ai commencé avant-hier à recycler mes affaires. Mes journaux, mes bouteilles, mes vieilles gougounes, sans qu'à faire. Je me suis dit, c'est comique, tant qu'être parti pour la gloire. Pour faire un rap écologique, moi peut-être sauver la terre. C'est facile, j'ai rien qu'à dire ce que je pense. Attaquer les imbéciles tout en mettant de l'ambiance. Hey! Fait que j'arrive au dépanneur avec mes 12 bouteilles de Sprite, de Coke, puis de bière d'épinette. Elle me dit, mets ça à terre, des bouteilles blanches puis la verte. Mais je peux pas rien faire pour la bière d'épinette. Cet bouchon en porcelaine lui semblait être le problème. Personne ne sait quoi faire avec, c'est le dilemme du siècle. OK, on tape dans les mains. OK, laissez faire. Pas faire la chicane, mettons on se prenait en canne, mais en bouffurane. On mange du cellophane, on marche au gaz profane, on pète de la boucane, on est sur une fleur de banane. Gaytan, Gaytan, c'est qui le Superman américain, qui met la planète en panne, qui met la planète en panne, qui met la planète en panne, qui met la planète en panne. Oh, j'ai mangé une grand-mère hier. Je pense qu'elle était passée date. Peut-être que je pratique ce numéro-là ce soir. Vous étiez là, vous? Simon! Simon! Nimon! Simon! Faut que je confirme, les vols, le transport, l'hébergement, partout à travers le pays, je vous ai... Économisez jusqu'à 59 % sur vos interurbains par télécopieur avec le forfait Faxcom de Bell. Mais plus encore, abonnez-vous à Faxcom d'ici le 10 avril et vous aurez l'abonnement gratuit pendant 3 mois. Tiens, fax-moi donc ça! Appelez-nous au 1-800-363-BELL. Faxcom, une autre solution de Bell pour les gens en affaires. Depuis que les poudings moments magiques ont, sans aucun doute, le goût le plus riche au monde, ils ont tendance à disparaître. Comme par magie. Les poudings moments magiques. Chaque minute, quelque part au pays, un automobiliste a des problèmes de transmission. Toutes les 26 secondes, quelqu'un a une crevaison. Toutes les 12 secondes, une voiture tombe en panne. Et juste au moment où on se parle, quelqu'un vient d'oublier ses clés à l'intérieur de sa voiture. Mais si la voiture est une Nissan, ce n'est pas le problème de l'automobiliste, c'est le nôtre. N'est-il pas grand temps que les manufacturiers se sentent plus responsables de leurs produits? Nissan, le moteur d'une génération.
La science moderne a établi que la personnalité est déjà formée dès l'âge de 5 ans. Ainsi, les personnalités de type poule se montrent déjà les plus méthodiques, alors que les personnalités de type sauce sont plutôt passionnées. Les types poulets sont plus ambitieux, les types sauce plus enthousiastes. Et alors que les types poulets sont passablement soignés, les types sauce sont plutôt pratiques. Tout ça pour dire que personne n'échappe au vrai bon goût de Saint-Hubert. Quand t'es conseillé par le plus grand prêteur hypothécaire au Québec, c'est bien. À la caisse, ils ont pris le temps de tout nous expliquer. Ça, c'est un plus. Un endroit où on s'occupe de moi comme ça, il y en a seulement qu'un. En plus du meilleur prêt hypothécaire, on a trouvé sur place l'assurance habitation et l'assurance prêt. Vous avez toutes les raisons du monde de choisir bien plus qu'un prêt hypothécaire. Les services financiers à l'habitation Desjardins. Sinon...
gueule. Samouraï! Présenter les trois gagnants premier cycle de ce concours Maxi Free Jeune pour rire. Il s'agit de Drame. Il s'agit de Sébastien Brodeur, Bruno de Senneville et François Turvel. Je suis le chaperon rouge! Ben non, c'est nous, niaiseux! Hey! Qui es-tu? Je suis le loup niaiseux. Pis toi, t'es qui? Moi, je suis le chasseur. Pis je chasse des loups niaiseux. Ah ah! Ils pensent que je l'ai pas reconnu. Oh! De la maison de la grand-mère. Si je la pente, je la mange. Si je la pente, je la mange. C'est qui? C'est le loup niaiseux. Avec le chèque de pension. Là! Ah, le chant des oiseaux. Grand-maman? C'est qui? C'est le chaperon en rouge, t'apporte des dios, Louis. Tu peux rentrer, mon petit lapin. Ah, grand-maman, quand tu as un grand nez. T'as pas vu le reste. Ah, grand-maman. Ah, je t'en ai, moi, là. Coudonc ça, sondage, ça. Hein? Bouge pas. J'ai mangé comme un cochon. Boubou. Oup. C'est qui? C'est qui? C'est le chasseur de loups. Y'en a pas de loups ici. Y'en a pas de loups ici. Il y a juste moi. Pis t'es qui, toi? Je suis le loup niaiseux. Ah ah! À moi de jouer, maintenant! Hey, hey, il y a un zip. Zip! Arrête, tu me chatouilles! Enfin! Enfin, Jésus, mais Joe Louis! Les gagnants des auditions Juste pour rire. Salut, ici Luc de la Rochelière. Ah! Pas heureux. Luc de la Rochelière! Je peux-tu avoir un autographe? Cochon! Je vous en prie. Oh, toi, t'es né en 1959. Mais selon l'astrologie chinoise, t'es sous le signe du cochon. Oh, c'est mieux ça. Mais vous, c'est quoi votre signe? Dragon. Dragon? Je drague, tu dragues. Un dragon? La batte drague. Toi, je te trouve à mon goût. Un look d'enfer et de l'argent à faire avec Pepsi.
jouez le jeu. Découvrez le nouveau look de Pepsi ou de Diabolisme. Prenez une photo de votre look d'enfer et nous vous ferons parvenir un t-shirt absolument super. Vous pourriez aussi gagner 50 000 $ comptant. De quoi enflammer votre look d'enfer au max. Participez au concours Un look d'enfer. De l'argent à faire avec Pepsi. Salut Antoine! Oh, ça va? Non, mon père m'avait promis de m'amener au hockey. Puis? Ça marche plus. Je vais gueuler avec toi, moi. Aïe! Marie, c'est qui le premier marqueur de 50 buts dans la Ligue nationale? Ça sent le brûlé dans la cuisine, hein? Bouge pas! Allô, papa? L'interurbain, c'est rapide et facile. Et pas besoin d'une grande excuse. Son marqueur, là, je pense que c'est Maurice Richard. Puis c'était quoi son numéro? Son numéro? Son numéro. Cet hiver, à vous le contrôle. Dans la fougueuse Subaru Legacy nommée Berline de l'année 2 ans de suite. Ou au volant de la Subaru Loyale, la familiale importée la plus hautement en Amérique du Nord. Ou encore avec la fringante Justy édition spéciale. Les tractions intégrales Subaru 92 sont maintenant chez le concessionnaire. Et il ne se contrôle plus lui-même. Les tractions intégrales Subaru. À vous le contrôle. C'est quoi hey, qui se passe, est, là? On est rendu 6, là, c'est ça? Mais non, on n'est pas 6, on est 5, voyons. 1, 2, 3, 4, 5. Dodo, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je vais vous dire, à la fin, j'ai toujours rêvé de faire partie de Rock et Belles Oreilles. Ouais! Oui! T'aimerais-tu être dans Rock et Belles Oreilles? Oui! Aimeriez-vous ça, vous autres, que Dodo soit dans Rock et Belles Oreilles? Oui! Ouais, un homme moyen d'âge va prendre toute une débâcle. Bon, OK, allez-y, Guy Poumon s'en occupe. On va régler ça. Okay. Dodo, tu vas être dans Rock et Belles Oreilles. Oui, absolument. OK. Pourquoi tu vas être dans Rock et Belles Oreilles, Dodo? Ben, c'est parce que, tu sais, j'ai l'impression que dans Rock et Belles Oreilles, là, tu peux dire tout ce que tu veux, là, tu sais. Je suis tannée de faire ma cute puis de dire des affaires fines sur le monde, là, tu sais. Mm-hmm. J'aimerais ça montrer mon côté baveux, là, tu sais. Et vulgaire, là. Si j'ai le goût de dire des grossièretés, là, des écœurantries, là, tu sais, de dire au monde d'aller chier, de manger de la merde. Merci. Bravo. Merci. Ça commence bien. Oui. Écoute, on va te faire passer un petit test d'initiation, OK? OK. La première épreuve, c'est qu'il faut que tu dises une vacherie sur un artiste connu. OK. T'es-tu prête? Oui. OK, vas-y. Fernand Chignac qui pue des pieds. C'est assez écœurant, hein, ça? Hein? Ouais, il y a du chemin à faire. Hein? Ah. Dodo, je vais te donner un exemple, OK? Ouais. On va commencer par une joke légère. OK. Puis tu vas répéter après moi. OK. OK? Dire qu'au moment où on se parle, en quelque part dans le monde... Dire qu'au moment où on se parle, en quelque part dans le monde... Il y a une guerre qui est en train d'éclater. Il y a une guerre qui est en train d'éclater. Il y a une femme qui est en train d'accoucher. Il y a une femme qui est en train d'accoucher. Il y a un curé qui est en train de un petit gars. Voyons donc, je peux pas dire ça, il y a du monde dans la salle. Alors, tu t'habitues, Dodo, hein? Nous autres, il y a toujours du monde dans nos salles. Ah, hein? Le méchant. Hein? Oui, puis ça fait sortir le méchant des. OK. On va te donner un autre exemple. Guy, okay. Tu complètes la joke suivante. Oui. Okay. Jean-Pierre Ferland fait maintenant des annonces pour faire économiser l'électricité. Moi, je trouve que ça marche, ces annonces-là, parce qu'à chaque fois que je vois à face, je ferme la TV. Tu vois, Dodo, c'est ça qu'il faut faire. OK. OK. À toi. OK. À cause de sa nouvelle religion, Mario Pelcha ne donne jamais de spectacle le vendredi. Sais-tu que tu pensais c'est vrai, cette religion-là? Ça devrait être tous les jours.
Bon, ben, OK, on en fait un autre. OK. Il y a la chanteuse Marjo. Ah, la vieille, là. Oui, c'est ça. La vieille. Ben, regarde-moi pas en disant ça. Je le sais, je suis vieille, t'as assez. Ça fait du quand, ça, pour j'entends dire ça. Je suis vieille, vieille. Ah. OK, il y a la chanteuse Marjo qui est passée à l'émission de Michel Louvain. Ah, la vieille, là. OK, on continue. Il y a Michel Richard. Oh, parle-moi-en pas. Oh, parle-moi-en pas de Michel Richard. Voyons donc, parle-moi pas de ça, là. Moi, les vieilles toutes beurrées, là. Bronzé, jaune-orange, cancer, là, t'sais. Qui se teignent les cheveux en blond, là, pis font leur petit cute sexy, là. Je suis plus capable. Pourquoi? Parce que je vais être la seule. C'est plate pour Louise Portal. OK, OK, Dodo. Ouais. Deuxième épreuve. Ouais. Faut que tu ris de quelqu'un qui est dans la salle. OK. OK, choisis quelqu'un. Elle, là, là-bas, là. Qui, ça? Hein, qui? La grosse avec la robe rouge, là. Non, fais attention, Dodo, c'est ma sœur. Oh, c'est ta sœur. Oh, mais ça fait rien, elle est grosse pareille. Puis qu'elle mange de la marde, ta grosse sœur rouge! Dernière épreuve. Oui. Le partage de l'argent. Eh! Hey. Hey, nous autres, là, dans le groupe, là, on divise tout en cinq, hein. Ouais. Fait que si t'embarques avec nous autres, ça veut dire que tout ce que tu gagnes, tu le mets dans le pot. Dans le pot? Dans le pot. C'est plus de mon âge, ça, le pot? Mais non, pas le pot, pot. Le pot, pot. Oh, le pot, pot. Le pot, pot. Le pot, pot. Puis comme ça fait 10 ans qu'on est ensemble, là, oui. Ben, il va falloir que ça soit rétroactif. Ouais, ouais. Ça, ça veut dire, là, tout l'argent qu'elle a fait avec les bye-bye, les grandes vacances. Hey, ça, ça doit être payant, les grandes vacances, parce que c'est plate en tabarouette. Hey, elle doit-tu avoir de coller, elle, à son âge? Tous les festivals juste pour rire, tous les commerciaux, toutes ses maisons, ses chèques de pension. Hey, les gars! Hein? Quoi? Mangez toute la merde! Rocky Belles-Oreilles et Dominique Michel, mesdames. Alors, madame, monsieur, notre prochain invité est quelqu'un qui fait le festival depuis le tout début. Ça fait sa 9e saison avec nous. C'est le genre de gars qui se passe un peu de présentation. Je crois qu'on le connaît tous pas mal. Monsieur Courtemanche. Oui. Vous êtes le monsieur Courtemanche, là, dont l'élasticité du visage parcourt le monde entier en ce moment. Ouais, c'est sûr, ça coûte cher de longue distance à raser, mais... Vous savez, M. Courtemanche, je suis un artiste comme vous. Et je suis en mesure de ressentir exactement les mêmes choses que vous. Ouais, comme ça, t'as hâte que le fatigue en parte, toi aussi. Et puis, je fais de la chanson. En plus? Oui. Ah. Et je vous ai apporté une petite démo. On écoute ça? Non. Oui. C'est mon petit chien. J'ai eu tant de chagrin quand je l'ai perdu dans l'aspirateur central. C'était pas aussi mon petit chien. Non, c'est pas ça. C'était aussi mon petit chien. Bravo, bravo, c'est excellent. C'est fini? Oui. Remarquez, je voulais pas vous déranger, là. Juste vous demander votre avis. J'en ai pas pour longtemps, là. Ben, c'est justement ça, mon avis. Avec ça, t'en as pas pour longtemps, moi. C'est drôle, par exemple, parce qu'il y a des artistes de réputation internationale qui aiment beaucoup ce que je fais. Alain Morisseau, par exemple. Toute une référence, oui. Ah ben, attendez, attendez. Luc de la Rochelière. Ah, lui, là. Lui, je l'ai appelé il y a 2 jours, lui. Puis au téléphone, ça a cliqué tout de suite, là. Il semble avoir ça. Allô, Luc, clic. Ah, fuck. Vous croyez pas, là? Non, non, c'est pas ça, mais faudrait vraiment que je le voie, là, tu sais, quand même. Pas de problème. Je vais aller vous le chercher. Ben, fais donc ça, mon gars. Pas. On t'attend. On t'attend. Peux-tu venir me chercher ça? Ça, c'était le tweet, là, toi. Alors, comme je disais, madame, monsieur, ça sera pas bien long. Notre... Ça sera pas long, Luc! Ça sera pas long! Aïe, aïe! Regarde, Luc, ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est que tu chantes ses paroles sur tes chansons. Ben non, mais non, mais non, mais non, mais comme ça, on serait débarrassé, il s'en irait, fait qu'on... Hein? Ben écoute, c'est un festival ici, c'est pour le monde, alors est-ce que vous voulez que je chante ces paroles sur mes chansons?
Je suis assez content. C'est quoi, là? Est-ce que je lis bien? Ben, tu sais, ta chanson « Sauver mon âme », là, c'est beau. Moi, j'ai repensé au texte un petit peu. Ça parle d'un petit chien qui est frustré de ne pas être capable d'ouvrir ses cannes lui-même, et puis il est étonné que ce soit son maître qui ouvre ses cannes pour lui. J'ai appelé ça « Ouvrez ma canne ». Tu réussis parce que toi t'as deux mains, wouf wouf wouf, à ouvrir la boîte, question que je ferme la mienne. Ouais, si j'avais des bras ou juste des mains comme toi, wouf wouf wouf, on serait plus ensemble, je me débrouillerais, me semble. Mais là, ouvrez ma canne, ouvrez ma canne. De m'avoir accordé de votre temps. Ça nous a fait plaisir. Ouais. Si ça te dérange pas. Non, laisse-toi aller. Mon numéro de téléphone est dessus. Ah ouais? Et enfin, mes numéros, j'espère qu'ils sont tous là. OK. Si je peux encore t'être utile, là, quelque part. Non, mais moi, je sais déjà ce que je vais faire avec. Ah oui? Ouais. Va chercher! Va chercher! Allez, 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 allez! Yeah! Luc de la Rochelière et François Perry, mesdames et messieurs. Si on est ici à soir, il y a une raison à ça, tu sais. C'est pour faire avancer la musique. Faut que je confirme, les vols, le transport, l'hébergement, partout à travers le pays, je vous ai... Économisez jusqu'à 59% sur vos interurbains par télécopieur avec le forfait Faxcom de Bell. Mais plus encore, abonnez-vous à Faxcom d'ici le 10 avril et vous aurez l'abonnement gratuit pendant 3 mois. Tiens, fax-moi donc ça. Appelez-nous au 1-800-363-BELL. Faxcom, une autre solution de Bell pour les gens en affaires. Moi, si je fais plus le métier que je fais, je ferai de l'immobilier. Je continuerai à travailler avec mes bottes en caoutchouc, mes jeans. J'aime ça. Je suis partie pour Val-d'Or, dans une tempête de neige, puis ils pouvaient pas comprendre qu'est-ce qu'une femme comprenait dans les méthodes géophysiques, puis les moteurs. La Banque nationale m'a appris à faire attention à mon âge, parce qu'on peut pas tout avoir dans la vie. Moi, si je pouvais tout avoir, c'est que je le mettrais. Des gens de projet, des gens d'action. Banque nationale, notre Banque nationale. Aujourd'hui, les jeunes Québécois prennent la vie très au sérieux. Ils veulent réussir sans attendre, sans se priver et sans passer le reste de leur vie à payer. Juste un essai et vous serez convaincu. Pour un temps limité, 1 000 $ de remise ou un taux de crédit du fabricant. T'aimes-tu ça la musique, toi? Ça te va bien le cuir, avec plein de pitons. De valeur, on aurait pu prendre une labatte graille. Sais-tu que t'es pas laid, toi? Labatte graille. Toi, je te trouve à mon goût. L'art de faire rire. Énormément. Fais-moi le meilleur! Passionnément. Sans s'occuper des autres. Tendrement. Tellement de choses à faire. Il faudrait que j'aie 2 vies. Un portrait en 3 volets d'une grande artiste. Dodo a compté du 12 mars. Je veux vous voir. Notre prochain invité, encore une fois, se passe vraiment de présentation. Tout ce que j'ai à dire, c'est... Rideau! C'est super le fun de venir ici au Théâtre Saint-Denis.
Quoique c'est la première fois que j'y cite, vraiment. C'est pour. T'es une vraie encyclopédie, toi, hein? Merci. Mais, si on est ici à soir, il y a une raison à ça, tu sais. C'est pour faire avancer la musique. Tu t'en mets son micro, lui-là. Non, mais moi, la musique, c'est ma vie, hein. C'est grâce à ça que je me suis sorti de la dope. Puis à cette heure, ben, je bois. J'ouvre le dos. OK. Et, ce sujet-là, moi, je trouve qu'il y a bien des jeunes qui font de la musique puis qui aimeraient ça percer, tu sais. Puis, justement, pour lui donner une chance, j'ai parti un concours, moi, que le gagnant avait le droit de jouer en show avec nous autres. Hein? Ça part une carrière, ça. C'est à soir que ça se passe. Alors, on a notre gagnant. Il s'agit de Jean-Philippe Germain Tessier. Il me semblait que t'es tout seul. Mais là, non, mais là, t'as pas envie de t'asseoir là-dessus, toi? Mais non, c'est pour le pied, voyons. OK. Sully, Jean-Philippe. Sully! Mais là, quelle sorte de guitare que t'as là, Gypsy? Ceci? Gypsy, ça, c'est... Alors, comme je le disais, je... Ceci est une Tecumini. Tecumini. On... On pruche de pain, séché à froid, mais verni à chaud. C'est une guitare japonaise. Regarde, Mike aussi, il y a un drum japonais. Ah, ah oui? Ah oui, je joue avec des baguettes. Non, mais là, c'est pas ça l'idée, là. C'est parce que t'as une guitare classique, on fait du rock'n'roll, nous autres, là-dessus. Oui, bien justement, en ce moment, c'est très branché d'être débranché, tu vois. Sérieux, je viens de m'acheter une ampli de 10 000 piastres. Alors, qu'est-ce qu'on joue? Regarde, ça commence demain, là. Fa 37e. Ça finit quand je fais ça. OK? OK, attention, on passe ça. 1, 2... J'ai un blanc, moi, là. 3, 4, peut-être. Bon, tu vois, t'as connais. Allez. 1, 2, 3, 4. Chine. Ça goûte du tabac. Mon père, ma mère. J'ai pris tout mon argent. OK, tatoué! Arrête un peu. Excuse. Hey, excuse. Tu parleras-tu? 1, 2, 1, 2. OK. Je pensais que j'étais venu sourd, moi. Non, regarde, je pense qu'il faudrait brancher ta guitare, toi, là. Ouais, la brancher, mais pourquoi? Pour pas apprendre, tu sais. Regarde, j'ai un vieux fil ici, là, qui... Ouais, mais c'est ça, c'est pas fait pour être branché, cette chose-là. Écoute pas, mais t'as branché. C'est une gamine, c'est très dangereux. OK, de... attention. Oh! OK, ouais, je joue, là. Hein? Vous êtes un peu trop bas. Et là, le volume est au bout, moi, je peux pas me monter, là. Non, je veux dire, au niveau de la tonalité, vous êtes trop bas. Ah, écoute pas, là. Pas ça, m'a tenté, là, oui.
c'est la toune de Led Zeppelin. Hein? C'est bon, là, mais smooth un peu, tu sais. Cette émission vous a été présentée par l'interurbain Bell. Ici Radio-Canada, pour vous avant tout. Demain, à surprise, surprise, l'inattendu attend Mike Bossy. Yves Gionnet résiste. Mal. Jean Perron reste calme, alors que Lynn Renault s'énerve. Quel imbécile! Surprise, surprise, demain, 19h. Lundi, au détecteur de mensonges, Marie-Michel Desrosiers, Nanette Walkman et Fabienne Thibault disent toute la vérité. Puis, dans Marie. C'est un lunch d'affaires, là. Mais elle est pas tout, là. La chasse à l'homme est ouverte. Et dans Jamais deux sans toi. Les femmes sont en colère et les hommes vont trinquer. Tu t'intéresses à tout ce qui se passe dans le monde, sauf à moi. C'est mon argent, je ferai ce que je veux avec. Il va falloir que je vous donne des leçons, ces femmes, vous autres, les duvales. Lundi, à la télévision de Radio-Canada. Peut-être que le respect des individus, de tous